La prise en charge du cancer nécessite en général l'accès à plusieurs spécialistes et par conséquent d'entourer le patient d'une équipe multidisciplinaire, bien souvent dès la pose du diagnostic. Et ceci afin de garantir que chaque patient bénéficiera du plan de traitement le plus adéquat. La prise en charge en équipe est cruciale pour le patient puisqu'elle permet une coordination optimale des différents traitements. À l'hôpital de la Tour, les équipes d'experts se connaissent et travaillent ensemble, sous un même toit, au plus grand bénéfice de chaque patient. Elles travaillent toutes autour d'un seul et même objectif, maintenir la meilleure qualité de vie possible pour le patient. Dans cet objectif, les soins de support font ici partie intégrante de la prise en charge. Ils visent à soulager les symptômes liés à la maladie, mieux tolérer les traitements et améliorer l'état général du patient. Ils sont indispensables à la qualité des soins et à un accompagnement personnalisé du patient qui passe par la prise en compte de ses besoins et de ceux de ses proches. Ainsi, chaque patient pourra par exemple mettre en place ou préserver de l'activité physique s'il le souhaite grâce au physiothérapeute ou au médecin du sport. Il pourra également bénéficier d'un suivi nutritionnel par une équipe de diététiques expertes dans la prise en charge des effets secondaires liés à certains traitements, ou encore être soutenu dans la gestion de ses douleurs par des médecins spécialistes dans le domaine. À tout moment, le patient et ses proches pourront aussi compter sur l'infirmière qui les suit au quotidien, parfois sur plusieurs mois, et qui saura les orienter spécifiquement vers les soins de support adéquats, ou encore vers des thérapies complémentaires, comme l'hypnose, l'acupuncture, ou différents partenaires comme le Centre Otium. Nous travaillons tous ensemble à un objectif commun, permettre aux personnes qui nous confient leur santé de retrouver au plus tôt la qualité de vie à laquelle elles aspirent.